Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à Warhammer 40 000 Armageddon, donc un jeu de stratégie en tour par tour qui est sorti récemment, qui est édité par Slytherin, donc ils sont des grands spécialistes de ce genre de wargame. Et évidemment, comme son nom l'indique, le jeu se situe dans l'univers Warhammer 40 000, sur la planète Armageddon, parce qu'évidemment dans l'univers Warhammer 40 000, c'est logique d'appeler une planète Armageddon, pendant la seconde guerre d'ailleurs d'Armageddon. Et en fait, le gameplay du jeu reprend en très grande partie les bases d'un autre wargame qui s'appelle Panzer Corps, qui pour le coup, lui, n'est pas Warhammer 40 000, mais donc les gens qui connaissent éventuellement peuvent reconnaître ici pas mal de choses. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais réactiver les hexagones. Par défaut, ils sont désactivés, mais personnellement, j'aime bien les avoir. En plus, on peut les activer en deux modes, donc ça, c'est le mode soft. Et là, on a le mode strong. La différence n'est pas vraiment extrêmement élevée. Honnêtement, je trouve que le mode soft fait très bien le travail. On voit bien les cases sans que ça gâche non plus, entre guillemets, le rendu graphique du jeu. Donc, comme vous pouvez le voir, là, je dirige des unités impériales, n'est-ce pas, contre une force d'invasion orc. La manière dont ça se joue, ça se joue comme un wargame très classique et honnêtement assez accessible. Je pense que pour les gens qui ont toujours été effrayés par les wargames, c'est un jeu qui est assez fastoche à prendre en main, en fait. Il y a vraiment très peu de choses à connaître. Bon, faut connaître Warhammer 40 000, je pense que de toute façon, si t'es pas fan de Warhammer 40 000, c'est pas vraiment le genre de jeu qui t'intéressera. Mais d'un point de vue mécanique, le jeu est relativement simple. Donc en fait, chacune de nos unités peut accomplir un mouvement et une attaque par tour, sachant que certaines unités, une grande partie des unités d'ailleurs, ont plusieurs armes, ce qui veut dire que lors de leur attaque, si elles sont à portée pour toutes leurs armes, elles vont faire feu avec toutes leurs armes. Par exemple, ce Charleman Russ, là, qui est sans doute la... l'unité blindée la plus connue, quoique c'est peut-être le Benblade, enfin peu importe, l'unité blindée la plus connue chez la garde impériale, vous pouvez voir qu'il a un battle canon et un last canon, donc le battle canon et le last canon ont la même portée, donc une portée de 3 cases. Vous pouvez voir qu'il cause pas nécessairement les mêmes dégâts, donc par exemple le last canon fait un peu moins mal, mais a une pénétration d'armure qui va le rendre beaucoup plus intéressant lorsque je vais affronter des blindés. Ça c'est le nombre de fois que je vais tirer, et ça c'est ma précision. Donc si je me place à 3 cases avec cette unité, il va tirer avec les deux armes. Par exemple, donc ça c'est sans doute mon unité blindée favorite chez la garde impériale, Basilisk, qui est plus ou moins une unité d'artillerie. Alors il a un bolter lourd, mais le bolter lourd a une portée que de 3 cases, donc si je me mets par exemple à tirer sur ces orques là qui sont à portée de mon canon principal, le Earthshaker Cannon, parce qu'on aime bien donner des noms impressionnants aux armes dans l'univers Warhammer 40 000. Je peux tirer d'ici, mais je peux pas utiliser mon bolter, donc si je tire de là, je vais tirer qu'une fois. Alors que si je me rapprochais par exemple ici, je pourrais tirer avec mes deux armes. Après évidemment, tirer avec les deux armes, ça peut également te mettre en danger, parce qu'il faut prendre en considération évidemment la portée maximum des unités que tu vas affronter. Parce que si tu tires sur une unité qui est capable de tirer à la distance à laquelle tu te trouves, ils vont riposter. Donc en fait, le gros enjeu stratégique va être en fait d'attaquer les unités en essayant au maximum de rester hors de leur portée. Donc par exemple, les moto-orcs, là, les Warbikers, on peut voir que sur leur moto, ils ont deux Dakagun qui ont une portée que d'une case. Donc si je me mets avec n'importe quelle unité, par exemple ici, ben là, je peux tirer tranquillement. D'ailleurs, vous pouvez voir, lorsque je place le curseur... alors, c'est un peu c'est un peu microscopique, désolé les indices, mais je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc, lorsque je clique dessus, enfin, que je survole avec mon curseur, là, sur mon Lehman Russ Annihilator, vous pouvez voir le moins 0, là, ça veut dire que je vais recevoir 0 dégâts, et qu'ils vont recevoir 7 dégâts. Donc, c'est un bon indicateur pour voir que je suis, en fait, en sécurité si je me mets à tirer ici. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Donc on a bien pu voir que mon Lehman Russ a fait feu avec toutes ses armes, là. Et, ah, il est bien équipé, dis donc, celui-là. Alors après, c'est pas forcément la meilleure unité pour attaquer ce genre d'adversaire, le Lehman Russ. C'est plus... lui, l'Annihilator, il est vraiment spécialisé dans le massacre de blindés, honnêtement. Ça va être sa spécialité, mais c'est un bon moyen d'illustrer... leur différence de portée à tous les deux. Donc, même exemple... Donc là, j'ai... Voilà, eux, par exemple, j'aurais tendance à plutôt éviter d'aller les attaquer, là, parce qu'ils sont équipés de flammeurs. Donc les flammeurs, c'est très cool, mais ça s'utilise au corps à corps, et au corps à corps, c'est peut-être pas la meilleure idée, là, si je veux affronter ces unités sans perdre de vie. Donc je vais peut-être regarder, chercher à, par exemple, voilà, leur défoncer la gueule avec la basilisque qu'elle a haut. Alors par contre, mes unités avec les flammeurs, c'est peut-être une bonne idée d'aller se friter contre les Gretchen qui sont là.
Les Gretchen, ils ont beau être équipés d'un Slugga, ce qui est plus ou moins le flingue de base des orques, et d'un Choppa, ce qui est plus ou moins la lame de base des orques. C'est des Gretchen, et les Gretchen, c'est vraiment de la grosse daube, donc a priori, je devrais pas avoir trop de problèmes contre eux. Ils vont me causer des dégâts, mais je vais leur faire beaucoup plus mal, a priori. Après, évidemment, j'aurais pu également bousiller les Gretchen avec mes tanks, mais c'est un peu flinguer des mouches avec un lance-roquette, disons. Ouais, donc, ils sont plus solides que je m'attendais, Gretchen. Apparemment, cette unité-là d'infanterie, vous pouvez voir qu'ils ont un Last Gun qui a une bonne portée pour une arme d'infanterie. Mais ils ont également une Power Sword, donc c'est sans doute leur officier qui a la Power Sword, qui a une arme très puissante mais qui peut être utilisée qu'au corps à corps. Alors après, ça peut être un intérêt, la Power Sword, lorsque tu attaques des blindés avec cette unité, parce que le Last Gun n'est pas spécialement efficace contre les unités blindées, mais la Power Sword, comme toutes les armes énergétiques, est extrêmement efficace contre les blindages. Donc ça peut les rendre... Enfin, disons, ça peut faire le travail si t'as pas de meilleure option, quand même. Donc les Rough Riders, là, c'est pas vraiment des unités offensives, c'est plus des unités de reconnaissance, puisque dans le jeu, ça apparemment, la Sentinelle, c'est plus de la reconnaissance qu'autre chose. Dans le jeu, il va être très important de trouver voilà, la position de nos unités avant de se déplacer, parce que si on déplace une unité et qu'on voit rien, on peut annuler le déplacement, mais si on déplace une unité et qu'on découvre un ennemi, on peut plus annuler le déplacement, donc il est vraiment important de repérer les ennemis avant de bouger, sous peine de se trouver à un endroit où on n'a pas forcément envie de se trouver. Donc là on a un autre groupe de Gretchen, qui comme d'habitude va pas être très dangereux pour mes tanks. Pas dangereux du tout, même pour mes tanks. Donc je vais les attaquer un peu à distance avec ces unités là. Toi on va te bouger également. Alors vous pouvez voir sur la map là, les points blancs avec mes unités d'infanterie, ça veut dire je peux me déplacer là à pied. Et si y a un petit symbole de blindé là, ça veut dire qu'ils vont monter dans un véhicule de transport pour atteindre cette destination. Donc généralement une chimère, voilà. Donc là, si j'avais attaqué avec cette unité, j'aurais attaqué avec la chimère plutôt qu'avec l'unité qui est à l'intérieur. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc là, j'ai découvert un Warthrax Scorcha, donc c'est une unité mobile équipée de lance-flammes, et un autre groupe de Gretchen au sud. Ce qui n'est pas forcément la meilleure nouvelle. J'ai encore une unité capable d'attaquer, là. Peut-être même deux. Je vais prendre mon temps, ouais j'en ai bien deux, c'est bien ce qui me semblait. Je vais prendre mon temps et déplacer quelques-unes de mes unités au sud également là. Parce que honnêtement les Gretchen ils m'inquiètent très moyennement en comparaison avec les autres troupes. T'as une portée de quoi toi? 3. Pas la paire des idées de te mettre là éventuellement pour contrer les unités ennemies au prochain tour. On a des Gretchen là également. Et la basilisque que je peux te bouger et c'est une bonne idée, parce que comme t'as une portée de ouf, hein, tu vas être très utile au prochain tour. Some humans to fight. You've not been useless so far. Me and the lads have killed loads of you. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a des petits dialogues qui viennent amener un peu d'ambiance au jeu, et c'est d'ailleurs assez important parce que je trouve que le jeu, malgré le fait qu'ils ont vachement bien rendu sur les sprites les unités connues de la franchise, je trouve que ça manque un peu d'animation. Les unités sont quand même vachement statiques lorsqu'elles tirent pas, c'est-à-dire même les mouvements sont statiques. Et du coup, je trouve que ça manque un peu d'animation sur le terrain lorsque t'es en train de jouer. Donc ça rajoute un peu d'ambiance, les portraits. J'aurais bien aimé qu'il y ait des petites animes quand même sur les sprites. Ça aurait, disons, ajouté un poil de mouvement peut-être. Donc toi, avec ton mortier, tu dois avoir une portée relativement respectable. Franchement, allumer les Gretchen avec la basilisque, c'est un peu du gâchis, mais bon... Au passage, je vous ai pas dit, mais mon objectif sur les cartes, généralement, est de capturer les positions qui sont encerclées en doré, comme ça. Il y en a généralement entre 3 et 5 à capturer. Et c'est généralement comme ça qu'on emporte les scénarios. Alors parfois, on peut les capturer avec des véhicules. Et parfois, lorsqu'ils sont placés dans des bâtiments, il faut utiliser impérativement de l'infanterie pour les choper. Boom. Donc on va allumer les Gretchen de loin autant que possible. Toi, tu vas reculer parce que t'es pas vraiment... Un spécialiste du combat était surtout plus utile dans des situations... Ça m'ennuie d'avoir autant de flammeurs là, parce que j'ai pas trop envie de m'approcher en fait. Oh shit, j'ai découvert un... Ça m'arrange pas du tout. Lui, il est vraiment vénère, le Lehman Russ Annihilator. C'est particulièrement intéressant. Là, Sentinelle, tu dois pouvoir tirer ici.
Les sentinelles, elles sont vraiment pas mal comme unité de reconnaissance parce que elles ont une bonne portée et elles sont relativement efficaces contre les unités d'infanterie. Alors par contre, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un gros tank ici si j'avais su et si j'avais utilisé mon unité éclaireur avant le tank, ce qui aurait été la méthode logique entre guillemets. J'aurais découvert le blindé orc en priorité, du coup j'aurais attaqué avec mon Lehman Russ. Donc c'était assez mal joué de ma part ça. Donc vous avez un last gun, donc je vais vous rapprocher là. Là. Et eux, ils ont un bolter lourd qui a une bonne portée, donc on va les mettre dans ce bâtiment là. Et ils vont nous finir le travail, ok. Donc ça c'est plutôt pas mal malgré le fait que le tank la maquette un petit peu. Qu'est-ce qu'il me reste encore de mobile dans le coin? Toi, mais j'ai pas spécialement envie de te bouger pour être franchement honnête, mec. On va se finir les Gretchen. C'est quoi ça? C'est les Shoot a Boys, ok. Donc Shoot a Boys, des unités à distance, pour ceux qui connaissent pas la franchise, n'est-ce pas? Est-ce qu'il me reste de quoi bouger? Ouais, j'ai pas envie de bouger avec lui, donc je vais passer mon tour. Mais ça, c'était sûr que ça allait m'arriver. Bon, pour l'instant, il est pas très agressif, l'orc, donc ça m'arrange beaucoup. Est-ce que je peux te shooter d'ici avec la basilisque, toi? Non, alors je vais la rapprocher. Voilà, donc l'avantage de la basilisque, c'est qu'elle cause des dégâts qui traversent les armures, donc c'est très efficace pour shooter des tanks. Voilà. Lui, il a pris pas mal, là. Toi, est-ce que tu peux te décaler sur le côté pour laisser ton pote avancer? T'as quelle portée, toi? Ok, donc il a une arme qui tire à 3, une arme qui tire à 2. Donc j'ai l'avantage de la portée, vu qu'il y a une seule de ses armes qui va pouvoir contre-attaquer contre moi, là. Alors que moi, je peux attaquer avec mes deux armes, donc c'est un gros avantage que j'ai, là. J'aurais bien bougé mon Heavy Bolter, mais ça m'arrange pas. Pas certain que ce soit la meilleure des idées de t'attaquer avec ça, toi. La Sentinelle, ça reste une unité assez fragile, quand même. Oh... pas non plus trop chercher les ennuis avec. Ouais, ça va. Son canon là, il a pas l'air d'être très efficace. Le Big Shota, ouais, il a aucune pénétration d'armure, donc il est pas très efficace contre mes blindés. Par contre, faut que je fasse gaffe. Son Mega Blaster là, par contre, il a une très bonne pénétration d'armure, donc il risque d'être très dangereux s'il se rapproche. Il va falloir faire attention à ça. Toi, t'es toujours à portée de rien, mec. J'aurais pas dû te faire monter là, en fait. C'est pas grave. Avec volant slam, vous me rassurez moyennement, les gars. Donc là, ce qui m'ennuie, c'est comme les shotas sont arrivés à portée, approcher avec les lance flammes, ça m'arrange moyennement parce qu'ils vont être à portée, mes lance flammes. Oh shit, ça c'était pas prévu non plus. Vraiment que je joue mieux avec mes éclaireurs, hein, c'est à ça qu'ils servent. Donc c'est un peu dommage que je m'en serve aussi mal. Quoi ça? Des nobs, ouh. Donc les nobs, c'est des unités qui vont me faire très mal s'ils arrivent au corps à corps. Les Warbreakers m'inquiètent un peu moins. Mais les Nobs, ouais, je vais pas être très content de les voir. Donc là, j'ai l'avantage de la portée là-dessus, donc je vais pas m'en priver, n'est-ce pas? J'ai bien envie de vous envoyer par là-haut, vous, mais j'ai peur de tomber sur un piège. Ouais, ça va, ça m'inquiète que moyennement, ça. Ils vont quand même me causer quelques dégâts, mais ça va pas être trop grave, je pense, pour l'instant. Est-ce que j'attaque les nobs au lance-flammes? Ouais, ils vont me défoncer la gueule si je les attaque. On va s'attaquer au Gretchen, putain. Ouais, mais non, rien, Gretchen, il cause des dégâts plus importants que j'aurais cru. On va entamer les nobs parce qu'ils sont beaucoup plus dangereux, donc... moi, il en reste, plus ça m'arrange. Ah, désolé mec, je t'ai coupé la parole, je voulais juste bouger la carte. Je devrais pouvoir le flinguer, lui. Oui. Ah non, il résiste, hein, il résiste. Sauf que tu existes. Ah, vache, tu veux pas te rendre, mec? Ça nous arrangera tous, en fait. Merci. Voilà, donc on va capturer cette position. Donc lorsque je passerai mon tour, là, le symbole ici, qui représente le camp orc, passera au symbole... de l'Empire Humain. C'est plutôt cool d'avoir de la portée ici, j'ai pas l'impression que je leur ai causé des masses de dégâts, mais c'est pas grave. Quoi, votre portée déjà, vous? Deux... un, pardon. Donc je peux shooter tranquillement avec mes... éclaireurs. Je pourrais éliminer les Warbikers ou causer des dégâts aux Nobs. Honnêtement, je préfère entamer autant que possible les Nobs. Ils sont beaucoup plus dangereux, donc...
J'aurais tendance à beaucoup plus m'en méfier. Cramez moi c'est foutu, Gretchen. Et toi, j'aurais vraiment pas dû te coller là, mon vieux. Tu sers vraiment à rien ici. On va te faire dégager lentement mais sûrement. Très lentement, en l'occurrence, parce que t'es pas l'unité la plus rapide de l'histoire des unités. Ok, donc on s'est débarrassé des nobs, c'est une excellente nouvelle. Du coup, je vais continuer à choper les Gretchen, là, vu qu'ils peuvent pas contre-attaquer. Toi, je vais te refaire descendre, comme ça, t'auras plus de monde à porter au prochain tour. Ouais. Je crois qu'on a plus grand-chose d'autre à faire ici. J'ai déjà tiré avec lui, je crois. Normalement, ouais, en plus, il y a des symboles sur les unités lorsqu'on a... pas encore bougé. Donc là, par exemple, la petite flèche verte que vous voyez, je vais zoomer une fois de plus, les symboles sont quand même assez petits. La petite flèche verte, ça veut dire qu'il peut encore bouger, lui. Et s'il pouvait encore tirer, il y aurait un petit obus à côté. Donc c'est pratique, mais c'est quand même un peu discret, je trouve. Bien, bah voilà, on peut le voir, là, le petit obus. Je trouve un peu discret, parce que comme on a tendance à garder le zoom assez éloigné, c'est pas non plus super évident de capter ça d'entrée de jeu. Ok, ça c'est une excellente chose de fait. L'artillerie. L'artillerie, c'est quoi ça déjà? C'est des shootins, je leur fais pas très mal avec ça. Boum. Qu'est-ce que je les kiffe les basilisques. Ok, donc les Gretchen ils ont fini par mordre la poussière. Voilà. C'est une bonne chose de fait, la basilisque c'est pas vraiment intéressant de te bouger. Vous avez quelle portée vous? 2, donc je peux vous shooter d'ici tranquillement. Parfait, bon ça a pas fait des masses de dégâts, mais... toujours ça de près. Oui, t'as une lance toi, tu t'es cru où mon gars? Je sais bien que l'Imperium a pas toujours le contrôle de ses technologies. Autant que ça pouvait l'être par le passé, mais quand même, quand même. Ok, donc on a du monde dans ces bâtiments, il va falloir être prudent. Est-ce que tu peux éventuellement shooter cette île aussi, toi? Ouais. Ils sont plus solides que j'aurais cru, dis donc, les shotins, là. Je suis assez désagréablement surpris. Donc les positions de capture, il n'est pas nécessaire de les garder. Hein. Une fois qu'on les a capturées, elles sont capturées. Faut juste éviter, évidemment, que l'ennemi vienne les squatter en frottant. Oh shit. Leur tank au sud, il a l'air vénère. Ouais, mais... charmant, petits soldats ont pris assez cher là-dessus, j'ai l'impression. Reculer un coup pour me mettre hors de leur portée. Évidemment, une bonne idée. J'ai la même portée qu'eux, là, ça m'arrange pas. Toi, tu dois avoir plus de portée, par contre. Décale-toi ici. Si je te mets là, toi, est-ce que tu peux le shooter? Non. Fâcheux. Ils font assez mal, avec leur bolter lourd, là. Est plutôt cool. Ouais, vous avez la même portée, donc ça m'arrange pas non plus. En même temps, les gars, avec le nombre de blindés que j'ai dans le coin, là, je crois que... ça allait pas non plus faire super long feu, quoi. On va même voir si je peux pas shooter leur... si, je peux le shooter, quoi. C'est vraiment une excellente chose d'avoir ça. C'est toujours bon à prendre. Ok, bon ça c'est cool, par contre c'est moins cool d'avoir découvert qu'il y avait ça juste derrière. Toi l'éclaireur, tu vas repasser au nord mon gars. Qui on a? On a toi qui a pas bougé et qui a pas tiré. Vas-y. Tu as porté que d'une seule de ces armes là je pense. Ouais. Faut que je fasse gaffe parce que leur canon spécial il fait quand même très mal. On va t'envoyer au nord. Il est bien mobile là. Salamander. Surtout comparé à la Wyvern qui est vraiment super lente. Donc je crois que ça doit être la dernière position à capturer celle-là. Mets ta vie. Alors. Plus solide que prévu, hein. C'est pas grave, on va le convaincre d'arrêter. Coup de basilisque. Même la basilisque ça suffit pas mon gars, mais elle est lente. Énervé comme mec. L'éclaireur, est-ce que tu peux nous éclairer le chemin, voir? Il a pas l'air d'avoir grand monde. Ah si. Gun wagon avec un zap gun. Donc le zap gun, ça fait extrêmement mal. Le truc, c'est que les armes
orcs ont un gros désavantage, d'ailleurs dans tous les jeux, enfin généralement, dans toutes les adaptations fidèles de Warhammer 40 000. Donc, généralement les orcs ont des armes qui font très mal mais qui sont imprécises. Donc c'est la manière, hein, disons, de les contrer et de... Enfin, je sais pas si on peut vraiment parler de les contrer honnêtement. Mais disons que c'est quelque chose à prendre en compte lorsque tu les affrontes. Et en plus, il a une bonne portée ce truc, ce qui m'arrange vraiment pas. Mais eux aussi, ils ont une bonne portée, les Urgoog. C'est un Warboss, donc c'est pas assez Urgoog, c'est son nom, Warboss. C'est pas étonnant. Il est resté un tank en bas, je crois. Ou je l'ai flingué, je me rappelle plus. Je suis pas très rassuré là par le. Par le Big Zappa là. L'artillerie. Bon, on va essayer de flinguer d'aussi loin qu'on peut parce que j'ai vraiment pas envie d'aller me frotter à toi si tu veux tout savoir. T'as une portée de combien toi? 3. Hein. Ouais, mais c'est un big shot hein, qu'il a donc il peut pas forcément me causer des dégâts absolument. Ouais, sinon il me cause quand même des dégâts assez importants donc va falloir se replier au tour suivant. Beaucoup plus balèze que je le pensais lui. La raison pour laquelle je veux pas sacrifier mes unités si je peux l'éviter, c'est qu'il va y avoir une. En mode campagne, du moins une. Transmission des unités d'une mission à l'autre, ce qui nous permet de les améliorer et de profiter de leur expérience qui est représentée là par cette jauge là. Donc, j'ai pas non plus envie de sacrifier mes unités si je peux l'éviter. Ok, je les ai perdus de vue parce que j'ai bougé le. L'éclaireur, ce qui est pas une bonne nouvelle. T'es plutôt solide comme mec, toi. Bon, on va te replier parce que t'as pris un peu cher, mon gars. En même temps, c'est un warboss, hein, il est censé être balèze. Je leur fais absolument rien, donc je sais pas pourquoi je m'acharne. Je manque de monde avec beaucoup de portée en fait là. J'ai vraiment pas envie de m'en rapprocher du Warboss pour être tout à fait honnête. Ah, bonjour. Hein. C'est pas prévu au programme les gars. Allez vous battre directement au corps à corps. La raison pour laquelle je les ai envoyés au corps à corps, c'est qu'ils ont la Power Sword qui va leur permettre de causer pas mal de dégâts là-dessus. Ce qui est plutôt cool. Je doute beaucoup que tu puisses tirer d'ici avec ta chimère, toi, mais c'est pas grave, rapproche-toi quand même. Ouais, eux, j'ai un peu peur de les envoyer au combat pour l'instant, donc on va les faire descendre lentement. Voilà, donc là, vous pouvez voir, il a attaqué mon unité et du coup, j'ai contre-attaqué. Je vais arrêter de l'attaquer, ce bâtiment en haut, ça sert absolument à rien, j'ai l'impression. Attaquer avec une lance, quelque chose me dit que c'est pas la meilleure des idées, toi. Ouais, je vais prendre super cher si j'attaque avec ça. Shit, ils ont des renforts en plus. Je peux pas finir le travail, les gars, ça m'arrangerait. Merci beaucoup. Quelle portée, 3 également. Pas cool. Le Warboss, tu m'ennuies un peu là. Ouais, je vais perdre mon tank là. C'est malheureux, mais ce sont des choses qui arrivent. Pour moi, l'avantage, c'est que je prends vraiment peu de dégâts là-dessus. J'ai l'impression qu'il me touche pas parce qu'il est pas précis du tout. Donc bon, c'est un avantage, n'est-ce pas? Moi je t'utiliserai bien, mais si je te rapproche trop, tu risques de prendre vraiment très cher. Ce qui m'arrange beaucoup moins. Il veut pas se rendre lui? Ça m'arrangerait beaucoup. Ok, voilà une excellente chose de faite.
Il est temps de passer à l'offensive, les mecs. Vous avez des lance-flammes, vous, les gars. Ouais, ça m'arrange que très peu, je vous avouerai. Ok. Ouais, c'était pas rentable, mais c'était plus rentable que ça aurait pu l'être. On va voir ça comme ça, hein. Ouais, je cause pas des masses de dégâts là, honnêtement. Je cause que très peu de dégâts. Bon, après, l'avantage c'est qu'on a évidemment beaucoup plus de monde que lui, donc. On peut quand même réaliser pas mal d'attaques par tour comparé à ce cher monsieur. T'as combien de milliards de points de vie, mec, sérieusement? Mec, ça c'était pas très malin, mais bon. Et ça, je m'y attendais également, mais c'était un choix conscient, disons. Shit. Ah, la vache, il est balèze, le Warboss. Je sais pas comment je vais le déloger. En un seul tour, là, ça va être tendu. Ouais. Tout ça, c'est pas des attaques valables. Si j'avais une quantité de tours infinie, je pourrais le shooter avec l'artillerie jusqu'à la fin des temps, mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc voilà, défaite parce que j'ai pas conquis en fait la carte en un temps suffisant, donc j'avais que 13 tours pour l'emporter. En fait, j'aurais dû me déplacer beaucoup plus vite au début, je pense. Pour y arriver. C'est un peu dommage. Par contre, il y a un autre truc que je voulais vous montrer. Donc ça, c'était le mode campagne. choisir un scénario. Alors, on peut jouer les orques en multi et en mode scénario. Par contre, il faut trouver les bons scénarios, je crois. Je sais même pas s'il y a autant de scénarios. Ouais, voilà. Il y a certains scénarios qu'on peut jouer en orque, j'ai l'impression. Mais je suis pas certain de savoir lesquels c'est. Bizarre. Enfin bref, c'est pas ça que je voulais vous montrer de toute façon. Ouais, vas-y, je m'en moque, je veux juste montrer un peu l'intérêt principal du jeu. Donc là déjà, vous pouvez voir des grosses bestioles. Donc ça, ce sont des titans, qui pour ceux qui connaissent pas la franchise, sont un petit peu les unités ultimes de l'armée impériale. Donc en fait, ce que je voulais surtout montrer, c'était le catalogue d'unités disponibles dans le jeu. Vous pouvez voir, il y a vraiment pas mal de trucs différents. Quand je dis pas mal, je plaisante pas sur le pas mal. Sachant que ça, c'est uniquement pour le cette faction-là, donc qui est une faction de garde impériale. Donc vous pouvez voir, il y a de quoi s'amuser. Donc dans les tanks, tout ça, c'est que des Lehman russes. Hein. Il y a juste... jusqu'ici, là, vous avez que des Lehman russes. Donc tout ça, c'est que des variations. Donc vous pouvez voir, ils ont tous des stats différentes, des intérêts différents, des puissances différentes. Donc là, vous avez évidemment des trucs un peu plus balèzes. Là, on a un Baneblade, qui est le tank le plus gigantesque de l'univers. Le Banehammer est assez stylé également. Donc tout ça, ce sont des variations de Baneblade. Bon, celui-là, il a l'air vénère. Donc vous pouvez voir, il y a de quoi s'amuser, n'est-ce pas? On peut également faire un petit tour chez nos amis les Space Marines. Donc pareil, plein de variations sur le thème du Predator. On a un Razorback, là. Wyrmwillen qui est leur unité d'infanterie d'artillerie, pardon. Un milliard de Land Raider, comme d'hab. Donc vraiment de quoi faire. Les véhicules. Évidemment les Dreadnoughts, on a plusieurs. De l'infanterie, donc on a des Scouts, on a des Space Marines, on a des Assault Marines, on a des Sanguinary Guard qui se la racontent un poil. Donc vous avez vraiment, vraiment de quoi faire. Terminator, cela va de soi.
Voilà, quelques véhicules aériens. J'ai pas eu vraiment l'occasion de m'en servir pour l'instant des véhicules aériens, vu que j'ai pas non plus passé des milliards d'années sur le jeu. Mais vous pouvez voir, il y a vraiment de quoi faire. Le petit land speeder. Petite moto, enfin, il y a vraiment du matos. Alors je regrette de ne pas pouvoir vous montrer les orques, parce qu'il faudrait que je trouve un scénario dans lequel on joue les orques. Et malheureusement, j'ai pas l'impression que ce soit franchement indiqué. Ou alors il faut débloquer quelque chose, j'en sais rien. J'ai pas encore eu l'occasion de jouer les orques. Je sais qu'en multi, il est possible de les jouer comme quand on veut, mais... Là, j'ai pas l'impression que ce soit disponible. Faut peut-être finir certaines campagnes avant de débloquer les orques. Au passage, les campagnes, voilà, vous en avez plusieurs. Donc la campagne didacticielle qui est vraiment juste là pour présenter un peu les mécaniques du jeu. Ça va assez vite, hein. C'est pas un jeu qui est hyper complexe à assimiler honnêtement. La première qui était celle que j'étais en train de faire là. Et deux autres campagnes successives. On peut en lancer une si vous voulez, juste pour vous montrer. Je m'appelle Bob. Voilà, donc vous avez toujours des dialogues, un petit peu d'introduction. Parfois, on a le choix entre plusieurs trucs à dire. Qui peut d'ailleurs nous donner le choix entre plusieurs approches pour les missions. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés par l'histoire, entre guillemets, de la franchise, ça peut être très sympathique tout ça. Là, vous pouvez voir au passage que je commence avec de la réquisition, donc je peux aller ici et acheter des unités. Après, il faut avoir des endroits de déploiement, et je pense pas que j'en ai sur cette carte-là. Des endroits de déploiement pour acheter des unités, en fait. Entre les missions, on peut également... entre les missions, lorsqu'on débute une seconde mission lors de la phase de déploiement, on peut également upgrader nos unités. Donc on peut par exemple prendre une unité comme ça et changer son armement. Généralement, ça nous permet de choisir une autre spécialité dans la même doctrine, entre guillemets. Donc par exemple, je pourrais transformer une sentinelle en sentinelle Armageddon. Après, faut voir, dans les campagnes, on n'a pas toujours accès à tous les véhicules. Donc là, par exemple, vous pouvez voir, j'ai accès à tout, mais ou plus ou moins à tout, j'ai l'impression. Mais parfois, dans les missions de la campagne, on est limité dans nos choix. Donc c'est pour ça que je voulais charger un peu le mode scénario pour vous montrer toute la quantité d'unités disponibles. Donc voilà, c'est Warhammer 40 000 Armageddon, qui est disponible depuis une bonne semaine, je crois. Vraiment un wargame assez sympathique, que j'apprécie le fait qu'il soit accessible, parce que souvent les wargames c'est des jeux qui sont assez effrayants pour les gens qui connaissent pas nécessairement. Donc celui-là il est relativement accessible, vraiment la seule chose je dirais nécessaire pour l'apprécier c'est d'aimer Warhammer 40 000 évidemment, je pense que ça joue quand même vraiment beaucoup sur l'appréciation du truc, de voir toutes les unités qui sont présentes dans le jeu, c'est quand même super sympa. Donc voilà, si jamais c'est le genre de jeu qui vous intéresse, ça peut être cool. Après, je regrette quand même que le jeu ait pas plus d'animation, disons, pendant les parties, qu'il n'y ait pas de petites animes sur nos unités, plus d'ambiance. C'est vrai que c'est un peu statique lorsqu'on est pas en train d'attaquer. Mais enfin, ça reste un jeu qui est plutôt sympathique, je dirais. Voilà, ciao tout le monde.